Il dit encore, un territoire, ce sont des habitants et des activités, des migrations, des aires de mobilité enchevêtrées. Les bibliothèques sont un des points d'arrêt des parcours des gens. Elles sont fréquentées au même titre que les autres services, publics ou commerciaux. En d'autres termes, il ne faut pas penser le territoire comme statique, réservé à ses habitants. Les modes de vie, de travail ont évolué. On en revient à l'intervention du géographe hier. Et les frontières se gomment pour les gens, alors que se diversifient leurs déplacements et leurs bassins de vie. Autre citation de Noémie Clary, les bibliothèques sont en réseau, organisées ou non. Elles ne règnent pas chacune sur leur périmètre. Elles sont complémentaires, elles forment un maillage. Le fameux maillage dont on a parlé dans la campagne de com ABF-BSF pour rapprocher les bibliothèques. Une bibliothèque dans chaque commune, pas forcément, mais une proximité raisonnable et aussi une organisation et des relations intelligentes qui contribuent à un meilleur service. Outil du lien social, la bibliothèque est au croisement des politiques sociales, éducatives, culturelles et de la ville. Là, on rejoint ce que disait Alain Roussel, à ce que dit l'ABF dans le manifeste et dans son interpellation aux candidats aux législatives. On est en plein dedans. Une autre collègue, Marie-Christine Jacquinet, du département des Yvelines, a souligné quant à elle que pour qu'une bibliothèque puisse toucher les citoyens vivant sur un territoire et construire une offre adaptée, elle devrait quitter les modèles habituels pour prioriser les services par rapport au public et les évaluer. Elle notait d'ailleurs que ce sont parfois les petites structures qui sont les plus innovantes, souvent par obligation et par manque de moyens. On peut donner un exemple bien connu maintenant de la profession, de Signy-l'Abbaye, où le centre social et la médiathèque sont fusionnés en proposant des services variés, culturels, sociaux, administratifs, touristiques, centres de loisirs même, gérés par des agents au profil varié, dans un souci de proximité avec l'usager, au cœur de la problématique de la ville. Et ils ont d'ailleurs autant d'adhérents que la ville compte d'habitants, et la moitié de ses adhérents vient de la commune. Alors, comment traiter aujourd'hui ce thème de la bibliothèque dans son territoire? Nous avons aujourd'hui 3 intervenants pour ce faire. Tout d'abord, nous commencerons avec la parole d'un élu que nous remercions chaleureusement de sa présence, M. Thierry Falconet, maire de Chenôve. Seule commune du département de la Côte d'Or à être éligible à la dotation politique de la ville 2017. Et il nous dira comment il conçoit le rôle de la bibliothèque au cœur de quartiers dits prioritaires et de politiques publiques engagées. Nous aurons ensuite le regard d'un chercheur, Julien Talpin, chargé de recherche en sciences politiques au CNRS, l'Université de Lille CERAPS, co-rédacteur en chef de la revue Participation, qui travaille justement sur la dynamique de participation et sur la notion d'empowerment, qui nous expliquera. Il a son idée sur la façon dont les bibliothèques peuvent participer à cette implication de la population. Et enfin, nous terminerons par un exemple concret de notre point de vue technicien avec Valérie Brujas, directrice du réseau de lecture publique de Vaux-en-Velin, qui nous présentera le projet de médiathèque, maison de quartier de cette commune, lequel s'appuie fortement sur ses habitants et ses différents acteurs. Voilà, ensuite, nous aurons bien sûr un temps d'échange où je vous inviterai à poser toutes les questions que vous souhaitez à nos différents intervenants. Monsieur Falconet, je vous passe la parole. Merci. Merci, Madame Verneuil. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation, parce que c'est aussi important pour un élu de présenter aussi un pan important de la politique culturelle d'une commune. Et je voudrais remercier tout particulièrement Chantal Ferreux, qui est bibliothécaire à Chenôve, qui est la directrice de la bibliothèque de Chenôve. Et je pense que ma présence n'est pas totalement étrangère à cette présence de Chantal dans les instances de l'ABF. La bibliothèque au cœur du territoire. Je voudrais d'abord vous présenter rapidement le territoire dans lequel s'inscrit l'action de cette bibliothèque. Peut-être un certain nombre d'éléments budgétaires aussi, parce que ce sont des choses importantes. Et puis peut-être vous expliquer comment les élus, l'équipe municipale conçoit sa relation à la bibliothèque. Parce que je lisais dernièrement un certain nombre d'intrusions politiques, notamment sur les questions de choix de fonds documentaires, qui m'ont un peu fait froid dans le dos, parce que à partir du moment où on commence
à choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon de mettre dans, sur les étagères d'une bibliothèque, on n'est pas loin de systèmes un peu autoritaires, voire même plus. Et donc, je pense qu'il est important que la relation de confiance aussi existe entre, entre les élus, entre une équipe municipale et les agents, dans leur technicité, dans leur expertise de leur métier. Et puis ensuite, répondre à la question, qui est une question à la fois simple, hein, quelle place pour une bibliothèque dans les politiques publiques menées sur un territoire. C'est facile, ils sont partout. Hein, la bibliothèque à Chenôve, je vous présenterai sa, sa situation la situation du quartier politique de la ville. Elle est dans, tous les, voilà, dans toutes les actions publiques fortes en direction de la population, des habitants du quartier politique de la ville, mais aussi des habitants de la ville de Chenôve. Mais avec, avec un certain nombre de difficultés, un certain nombre de, d'éléments conjoncturels qui peuvent entraver à la fois l'action, l'action publique de l'équipe de la bibliothèque, mais plus largement l'efficience des politiques publiques sur un territoire comme le nôtre. Alors, Chenôve, donc c'est, même si j'aime pas le terme, c'est la banlieue sud de l'agglomération dijonnaise. Donc, à l'origine, c'est un village vigneron. Nous sommes le premier village viticole de la Côte de Nuit. Donc, si vous... vous buvez du Marsannay-la-Côte, du rosé de Marsannay, du Marsannay blanc, vous avez peut-être la chance de boire du vin qui a été élevé avec du raisin de Chenôve, puisque nous avons des vignes sur, sur Chenôve et nous avons encore trois vignerons qui exercent. Donc c'est le noyau initial de la commune, avec un secteur protégé, des pressoirs du XIVe siècle, donc... un patrimoine vitivinicole et une population très attachée à son environnement et à son cadre de vie patrimonial. Ensuite, je prends chronologiquement, j'ai fait un peu des études d'histoire, donc je me repère dans, dans, mieux dans le temps. On a une deuxième étape de construction qui correspond globalement à l'arrivée du chemin de fer, puisque Dijon est un nœud ferroviaire, fin 19e, début 20e, on a une extension de Chenôve et là, une tradition cheminote, ouvrière, communiste qui s'installe à Chenôve. J'ai oublié de dire, village vigneron, on est plutôt dans, dans un comportement conservateur, si je, je peux aller vite. Donc, une forte empreinte ouvrière et cheminote, socialiste et communiste, d'où... voilà la, la coloration politique de la commune depuis, depuis lors. Et puis, années 70, reconstruction, construction, années 60, années 70, érection d'un grand ensemble. La commune passe de 3000 habitants à 23 000 habitants en 20 ans. Donc, voilà, quelque chose qu'on connaît à Vaux-en-Velin, qu'on connaît dans, dans plein de communes. Ça a été décidé par, par le plan, hein, par le commissariat au plan à l'époque, le ministère de la Reconstruction. On met un grand ensemble à cet endroit-là. Et la fin de la construction, la fin de la construction du grand ensemble, ça doit être 77, je crois, où là, on est vraiment sur la configuration de la ville. Après, il y a de la rénovation urbaine, il y a la, il y a la reconstitution d'autres quartiers. Mais on a une ville mosaïque. Et pourquoi cette présentation en lien avec la bibliothèque ? C'est que si la bibliothèque de Chenôve, je vous l'expliquerai, j'expliquerai les raisons de son implantation au cœur du quartier politique de la ville, est là, elle s'adresse à l'ensemble de la population. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est bien au cœur du quartier politique de la ville, mais elle s'adresse, comme d'ailleurs toute l'action publique municipale, à l'ensemble des quartiers. Donc voilà rapidement ce territoire. Alors ce territoire, à la fin des années 70, début des années 80, il est marqué par le début de la politique de la ville. Et Chenôve connaît tous les dispositifs de la politique de la ville depuis lors. C'est-à-dire que
On a eu habitat-vie sociale, développement social des quartiers, banlieue 89, zone franche urbaine, réseau zone d'éducation prioritaire, qu'est-ce qu'on a encore ? Donc PNRU 1, on est éligible au PNRU 2, on est quartier d'intérêt national politique de la ville, donc on fait partie des 200 quartiers d'intérêt national. Donc voilà, on est en plein dans la problématique de la politique de la ville. Avec une commune déséquilibrée sur le plan de son espace et de sa population, puisque aujourd'hui, Chenôve compte 14 500 habitants et on a 8 500 habitants qui habitent dans l'ancien périmètre du quartier de la politique de la ville. Alors, avec la réduction des périmètres des quartiers prioritaires, on est aujourd'hui à 6 500. Mais on était à 8 000, on a été jusqu'à 11 000 habitants pour une population globale de 17 000. Voilà, donc le poids du quartier politique de la ville dans l'espace de la commune et dans la population est très important. On a compté jusqu'à 54% de logements sociaux sur le territoire communal. Aujourd'hui, par le biais des déconstructions et de la reconstitution de l'offre, nous ne sommes plus qu'à 44%. Mais nous sommes la commune de l'agglomération dijonnaise, de la métropole dijonnaise, qui accueille le plus de logements sociaux en proportion sur son territoire et qui est une ville, je cite, de convalescence sociale. Voilà, parce qu'on a tout un dispositif d'accompagnement social qui est sur le territoire communal. Voilà pour ce qui concerne la politique de la ville. Et donc, la bibliothèque municipale, depuis 1982, est au cœur du quartier. Elle est à proximité de l'hôtel de ville, est à proximité d'un des deux centres commerciaux de la commune que nous allons déconstruire bientôt parce qu'il polarise l'ensemble des dysfonctionnements urbains qu'on peut imaginer dans un QPV, avec notamment des problématiques de tranquillité publique importantes. On a à proximité immédiate des rodéos de moto, des occupations d'espaces publics, des pressions faites sur les agents municipaux et notamment les agents de la bibliothèque, même si on a une équipe stable et qui connaissent les enfants qui deviennent adolescents, qui deviennent parents. Voilà, il y a une vraie connaissance, du territoire et de la population. Mais vraiment, la bibliothèque est au cœur et régulièrement, elle est l'objet de dégradations, voire même d'attaques. Hein, puisqu'on en parlait au repas à midi, lors des événements, des flambées de violences urbaines des années 90 et 92, je me souviens bien, la bibliothèque avait été attaquée à coups de cocktail Molotov. On avait trois bâtiments et structures publiques ou parapubliques qui avaient été attaquées, c'était la bibliothèque, la MJC et les bus municipaux qui servaient au centre de loisirs et qui emmenaient les enfants sur les activités sportives qui avaient été attaquées. Donc clairement, on était sur des actes qui n'étaient pas seulement des actes d'incivilité, hein, c'était des actes de dégradation, de violence urbaine, qui étaient dirigés contre la population elle-même et contre le service à la population par l'institution municipale. Et la bibliothèque, en ce moment, fait l'objet de dégradations importantes et ça pèse à la fois sur l'équipe municipale, mais surtout sur les agents municipaux qui sont, je vois pas d'autre expression, hein, dans une commune comme la nôtre, qui sont au front tous les jours et qui tiennent la ligne. Et on verra que la ligne, j'imagine que ça viendra dans les discussions qu'on aura et dans les échanges qu'on aura, la ligne est parfois compliquée à tenir. Alors le fonctionnement... Alors la bibliothèque donc a été agrandie, a été restructurée.
Elle accueille tous les publics, retraités, cadres, jeunes, personnes en difficulté. C'est une volonté forte qui est portée par l'équipe de la bibliothèque municipale et par la direction des affaires culturelles. Elle fédère tous ses publics en un lieu et surtout sur un certain nombre d'actions que la bibliothèque pilote mène ou auxquelles elle participe. Par exemple, la bibliothèque participe aux nouvelles activités périscolaires avec un accueil public régulier tous les jeudis. Voilà, des groupes de toutes les écoles de Chenôve viennent alors pour des temps de lecture, des temps d'activité, des temps calmes avec les agents municipaux et leurs professeurs. Cet été, on a un programme d'activité en direction principalement de la jeunesse de tous les quartiers. La bibliothèque va mener des actions hors les murs. D'abord, simplement sur le parvis devant la bibliothèque. Hein. C'est un parvis plutôt sympa avec un parc urbain où on peut s'installer sur des plaides, lire, discuter de manière très, très sympathique quand il n'y a pas de scooter qui vous frôle. Mais maintenant, ça va mieux. Et puis, peut-être des déplacements dans d'autres quartiers, mais ça reste à travailler avec l'équipe et avec la direction de la bibliothèque. Voilà donc une participation aussi avec une association aussi des amis de la bibliothèque de Chenôve qui organise tous les ans un salon du livre ancien auquel l'équipe de la bibliothèque est associée. Dernièrement, il y a un café associatif pour la fête des voisins en face de la bibliothèque, donc avec une association dont l'entrée est le développement durable. Donc il y a eu toute une réflexion commune entre cette association et l'équipe de la bibliothèque municipale sur le développement durable, la protection de l'environnement. Et donc l'équipe a aussi participé à cette action. Donc une vraie implication de la bibliothèque et de son équipe dans la politique de quartier, dans la politique de la ville. Les amis de la bibliothèque et la bibliothèque participent aussi à la fête de la pressée tous les ans au mois de septembre, donc qui célèbre le folklore vitivinicole à Chenôve. Le fonctionnement, c'est un budget de 630 000 euros, 450 000 euros de fonctionnement dédié au personnel, un budget prévisionnel 2017 de 102 550 euros, chiffre donné par la direction, qui déplore une baisse de 5%, mais qui est une baisse de 5% non pas sur le budget de la bibliothèque, mais sur l'ensemble des budgets municipaux. Et ça, il faudra qu'on en parle, je pense, mais c'est la question du poids des contraintes budgétaires sur les politiques publiques, particulièrement sur les politiques publiques dans un quartier politique de la ville, où les besoins d'encadrement et les besoins d'action forte, d'action publique forte, en direction de la population, sont diminués par les efforts de redressement des comptes publics. Je l'ai bien fait, n'est-ce pas? Donc, un budget en baisse, mais qui reste, je crois, un budget tout à fait conséquent, puisque nous consacrons quasiment 83 000 euros pour les acquisitions avec la médiathèque et 5 200 euros pour la programmation culturelle, puisque la bibliothèque est aussi un lieu de diffusion culturelle avec l'espace culturel François Mitterrand, qui accueille soit des expositions, soit des spectacles. On a un problème de mise en conformité maintenant de la salle. Mais moi, je trouve que c'est un espace très sympa, très cosy, où on peut faire des petites formes théâtrales. Enfin, c'est vraiment un espace qu'il faudrait... Enfin, moi, je milite auprès du directeur des affaires culturelles qui... Voilà, on sait très bien que ce sont les techniciens qui décident dans une collectivité, mais je milite quand même pour que cet espace de diffusion culturelle soit maintenu et soit restauré de manière à ce qu'on puisse continuer à accueillir du public. La tarification, nous allons aller vers une gratuité, nous n'y sommes pas encore, donc je l'ai annoncé à midi à la directrice de la bibliothèque.
Alors c'est aussi un peu de pragmatisme, hein, c'est de voir que la bibliothèque de Dijon, donc là, notre grande commune centre, pratique la gratuité. Les communes aux alentours de Chenôve pratiquent également la gratuité. Et paradoxalement, on est la seule commune à ne pas pratiquer la gratuité. Donc, vu les recettes que ça nous rapporte, je pense que, voilà, même si ça va être compliqué à faire accepter par notamment par la direction des finances, je pense qu'on va aller vers une gratuité pour faire remonter aussi le nombre de lecteurs. Mais il faut parallèlement qu'on ait une réflexion sur les horaires d'ouverture. Donc ça se fera dans le cadre du dialogue social. Mais la bibliothèque doit être, la place de la bibliothèque doit être confortée et doit être renforcée dans le quartier et dans la ville. Bon, cela dit, elle est payante. J'avais dit 20 minutes, ça va être long, mais finalement c'est court. C'est pour l'année 7,70 € pour les adultes, 15,50 € pour les adultes extérieurs. Et puis il y a une carte famille qui est gratuite pour les habitants de Chenôve. 11 bibliothécaires, 19 heures d'ouverture publique, je vais vite. Plus de 2000 emprunteurs actifs en 2016. 84% habitent la commune. 31% sont les habitants du QPV. Et parmi ces 31% issus du QPV, 70% d'entre eux ont moins de 20 ans. Donc, il faut maintenir et renforcer cette activité de la bibliothèque. La bibliothèque travaille en partenariat avec la PMI, avec la petite enfance, avec la direction de l'éducation, de la culture, avec l'éducation nationale, avec le centre communal d'action sociale, avec l'éducation spécialisée. On est en contralecture. Alors, la question qui se pose, puisque nous sommes passés métropole, c'est la question du transfert de compétences, puisqu'aujourd'hui, les bibliothèques restent municipales, mais la métropole peut prendre demain la compétence équipement culturel, et donc se posera la question de l'avenir et surtout de la maîtrise des bibliothèques municipales dans ce qui pourrait être un réseau de bibliothèques qui existent déjà, notamment par l'Association des bibliothécaires de France, hein, et l'action locale des bibliothécaires, mais peut-être de manière plus institutionnelle se poser la question d'une mise en réseau avec peut-être une tête de pont qui serait la bibliothèque municipale de Dijon et une complémentarité à trouver sur le réseau des bibliothèques de la métropole. Voilà. Je vais respecter le temps, puisque c'est dans la charte des intervenants. Mais vraiment, je voudrais remercier, je le fais publiquement, parce que la politique publique municipale et l'action publique municipale dans un quartier comme celui du Mail à Chenôve n'est possible, bien sûr, que s'il y a la volonté des élus, s'il y a le soutien, mais si aussi... nous avons des équipes, des équipes convaincues, des équipes motivées. On en parlait tout à l'heure. C'est pas la NBI qui motive les bibliothécaires de Chenôve pour aller tous les matins prendre leur service et parfois résister à des pressions fortes d'un public compliqué. Donc merci à eux pour tout le travail qu'ils font et pour le lien social qu'ils maintiennent sur un quartier politique de la ville comme celui de Chenôve-le-Mail. Et un élu comme je suis, une équipe municipale comme celle que je pilote, doit s'en rappeler tous les jours lorsqu'ils ont des décisions budgétaires et des décisions politiques à prendre. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Merci pour ces paroles qui replacent l'agent territorial des bibliothèques au cœur des dispositifs aussi, au cœur de l'efficacité que peuvent porter les politiques de la ville. Pour ce qui est de la gratuité, c'est une très bonne idée. Et de toute façon, notre secrétaire général ne manquera pas de vous donner tous les arguments pour que vous puissiez défendre le dossier auprès de vos collègues.
Voilà, donc nous allons maintenant passer à Julien Talpin qui va nous parler participation des habitants. Le micro marche, oui. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, merci à Anne en particulier de m'avoir convié. Donc moi, je ne suis pas spécialiste des bibliothèques, puisque je travaille principalement sur la participation des habitants et l'engagement dans les quartiers populaires, et plus largement la question de la démocratie, de la crise qu'elle traverse et des façons dont on peut y répondre. Donc ce que je vais essayer de faire dans les 20 minutes qui me sont imparties, c'est de vous présenter quelques résultats et réflexions tirées de mes recherches, et notamment de voir comment certains espaces, comme les bibliothèques, mais aussi d'autres, peuvent constituer des vecteurs d'engagement, de lien social, de transformation sociale dans leur territoire. Et donc, je vais prendre probablement un peu de distance par rapport aux réflexions de ce congrès, mais essayer de voir par la bande comment on peut penser le rôle des bibliothèques dans leur territoire et quel rôle elles peuvent jouer dans le renouvellement éventuel de nos démocraties. Et donc, voilà, la question un peu, le cadre global que je voudrais aborder, c'est comment redonner du souffle à une démocratie qui semble en fin de cycle, comment notamment remobiliser ceux qui ont le sentiment d'être les victimes d'un système politique qui ne prend pas en compte leur voix et leurs intérêts. Donc comment redonner du poids et une voix aux classes populaires, sous peine que celles-ci se révoltent par les urnes en votant pour des candidats autoritaires. Moi, je reviens des États-Unis où j'ai effectué un séjour de recherche où cette question se pose très directement. Et je crois qu'on est en fait aujourd'hui confronté à un paradoxe d'un point de vue démocratique qui est le suivant. Avec d'un côté les citoyens qui ont le sentiment que les principales décisions qui guident leur vie sont prises sans eux, dans des instances non ou peu démocratiques, comme l'Union européenne, la Banque centrale, la Banque mondiale, l'OMC, et que les élus répondent davantage aux injonctions des marchés financiers qu'aux promesses électorales qu'ils ont pu faire. De l'autre, dans le même temps, et c'est là où il y a paradoxe ou éventuellement tension, on voit un foisonnement d'initiatives à l'échelle locale en particulier, qui tentent de réinventer la participation et la démocratie. Et donc je vais essayer dans un premier temps d'investiguer un peu cette tension, ce paradoxe, et de voir comment certains essayent d'y répondre. Il y a donc, comme je disais, un sentiment très fort, et moi l'essentiel de mes recherches, je l'ai conduit en faisant des entretiens biographiques avec des habitants des quartiers, et également en faisant de l'observation participante dans un certain nombre d'espaces de participation dans les quartiers populaires. Et il se dégage en tout cas qu'il y a un sentiment très fort de perte de souveraineté chez les citoyens, que certains chercheurs ont qualifié de post-démocratie. J'ai mené récemment avec un certain nombre de collègues une enquête sur les représentations ordinaires de la démocratie chez les citoyens. On a mené des dizaines d'entretiens un peu partout en France. Et on était frappé avec mes collègues par la récurrence d'un certain nombre de discours. Par exemple, la fréquence de la mention et la référence au référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005, qui n'avait pas été respecté dans les orientations qui avaient été données par la majorité des citoyens, et qui est souvent présenté comme un symbole de cette perte de souveraineté. Et plus largement, ce qui se dégageait, c'était un sentiment très, très, très profond de ce qu'on a qualifié de résignation démocratique, c'est-à-dire un sentiment, au fond, que on n'est pas très satisfait du fonctionnement actuel de la démocratie, mais en même temps, on a le sentiment qu'on ne peut rien y faire et que ce sera toujours ainsi. Et donc, une insatisfaction très profonde et en même temps une résignation face à un devenir des sociétés sur lequel on a plus véritablement la main. Et donc, le constat va bien au-delà, je crois, d'un simple désenchantement ou d'une perte de confiance à l'égard du politique. C'est véritablement un sentiment de perte de souveraineté populaire qui s'exprime très, très concrètement, avec une abstention qui devient massive, qui est en train de devenir majoritaire. À l'exception des élections présidentielles et encore à toutes les autres élections, l'abstention est aujourd'hui le premier parti de France, et c'est tout particulièrement vrai pour les quartiers populaires. Moi, je travaille notamment dans la ville de Roubaix, dans le Nord, qui est également la ville la plus pauvre de France. Et par exemple, dimanche dernier, au premier tour des élections législatives, 73% des inscrits ne se sont pas rendus aux urnes, ce qui n'est pas une situation exceptionnelle, et qu'on retrouve dans la plupart des quartiers des quartiers populaires. C'est dire donc l'ampleur de la crise démocratique que l'on vit, et
dont une autre manifestation, je crois, est aussi les violences urbaines auxquelles faisait référence Monsieur le maire tout à l'heure, et la défiance à l'égard des institutions et de l'État en particulier qui est considérable. Moi, ce qui me frappe également dans les entretiens que je peux faire avec les habitants des quartiers, et ça renvoie à cette histoire de violence urbaine et de destruction éventuelle, y compris de bibliothèques, c'est le sentiment d'être traités comme des citoyens de seconde zone et le sentiment qu'ils n'ont pas leur place dans les institutions. Et c'est tout particulièrement vrai pour l'institution scolaire. Je crois qu'il y a une vraie continuité entre le rapport aux bibliothèques et le rapport et l'expérience qu'un certain nombre d'habitants ont pu faire dans le cadre de leur parcours scolaire. Donc on a ce paysage quand même qui est, me semble-t-il, très, très sombre. En même temps, il faut aussi reconnaître, et c'est aussi ça que j'essaye de regarder, qu'on voit se multiplier un peu partout des initiatives locales, participatives, qui essayent de redonner du pouvoir sur leur vie aux citoyens, à l'image, par exemple, de Nuit Debout, qu'on avait vu émerger au printemps dernier. Au-delà, on voit se multiplier depuis une trentaine d'années des expériences de démocratie participative dans les quartiers populaires et au-delà, qui visent justement à réintéresser les citoyens à la chose publique et à leur redonner du pouvoir sur leur propre vie. Le problème, c'est que bien souvent, ces expériences peinent en fait à remplir leurs promesses et résultent en tout cas et débouchent sur beaucoup de déceptions de la part des participants. Moi, j'ai fait du suivi longitudinal justement de gens qui s'engageaient dans des dispositifs participatifs, des conseils citoyens, des conseils de quartier, etc. Et j'ai été frappé en fait par la façon dont beaucoup de gens en ressortaient souvent encore plus défiants et déçus à l'égard de la chose publique qu'ils ne l'étaient initialement, car ils avaient l'impression que ici aussi encore leur voix n'était pas entendue. Alors je vais évidemment très vite et je suis probablement un peu caricatural. La question néanmoins, c'est face à ce défi un peu compliqué, c'est qu'est-ce qu'on fait ? C'est comment on peut s'y prendre autrement pour essayer de redonner un souffle démocratique au quartier populaire. Et de ce point de vue-là, depuis quelques années, il y a une idée, une notion, un concept qui recueille un certain intérêt, écho parmi les travailleurs sociaux, les éducateurs et les chercheurs également qui s'intéressent au quartier populaire, c'est la notion d'empowerment, de pouvoir d'agir, qui insiste sur l'idée que, au fond, la façon de répondre à ces défis démocratiques, c'est de donner bien davantage de pouvoir qu'on l'a fait jusqu'à présent aux habitants de ces quartiers et que pour redonner du pouvoir sur leur propre vie aux habitants, il faut qu'ils soient à l'initiative bien plus que simplement des réceptacles de politiques publiques qui s'adressent à eux de façon un peu descendante. Et que, à l'inverse, il convient d'inverser un peu la logique, plutôt que ce soit les institutions qui viennent consulter et demander ponctuellement leur avis aux habitants, il s'agit de soutenir des initiatives émergentes issus de la population. Alors, je pourrais ici esquisser quelques éléments quant aux conditions qui permettent justement d'appuyer ce type de dynamique émergente qui permettent une reprise de souveraineté des habitants sur leur propre vie et sur leur quartier. L'idée sur laquelle je voudrais insister, au fond, c'est que un élément qui me semble central ou en tout cas important pour régénérer nos démocraties, au-delà d'éventuelles réformes institutionnelles qui sont probablement nécessaires, c'est qu'il est également important de créer ou d'appuyer l'apparition d'espaces autonomes des pouvoirs publics permettant aux citoyens de former leurs opinions, de promouvoir leurs intérêts et de développer leurs projets par eux-mêmes, de s'organiser pour développer leur pouvoir d'agir. Je crois qu'une des difficultés et une des racines des défis démocratiques que l'on vit aujourd'hui, c'est précisément le déclin des corps intermédiaires qui ont structuré la vie démocratique au moins depuis le 19e siècle, partis politiques, syndicats, mouvements d'éducation populaire, associations de base, et que par conséquent, une des façons de sortir de cette ornière démocratique, c'est de recréer sur de nouvelles bases des espaces d'intermédiation politique entre les institutions et les citoyens, espace qui permettrait de repolitiser, de redonner du sens et de l'intérêt pour la chose publique, en particulier pour les catégories populaires. Alors je voudrais vous donner un ou deux exemples de la façon
dont on pourrait envisager ce type d'espace, ce qui va me permettre de reconnecter, parce que j'ai bien conscience d'en avoir été un peu loin jusqu'à présent, avec la question des bibliothèques. Le premier exemple, c'est lié à un travail historique que j'ai conduit il y a quelques années avec une collègue historienne, et donc c'est tiré de l'histoire, notamment de l'histoire du mouvement ouvrier qui était évoqué également à l'instant. Cet exemple, qui me semble digne d'intérêt dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, c'est l'histoire du mouvement des maisons du peuple qui s'est déployé à la fin du 19e et au début du 20e siècle, sur lesquelles j'ai travaillé pour ma part dans le nord de la France, mais qui s'était déployé un peu partout aux quatre coins de l'Hexagone, y compris à Paris. Vous connaissez peut-être la Bellevilloise, qui est aujourd'hui un restaurant, une salle de concert, un centre culturel, mais qui était au départ une maison du peuple. Alors qu'est-ce que ces maisons du peuple ? C'est avant tout des espaces, des lieux où les gens se retrouvaient pour toutes sortes de raisons. C'était tout d'abord des coopératives où les gens venaient acheter du pain, du charbon, des biens de première nécessité. C'était un peu l'ancêtre des supermarchés. C'était aussi des espaces récréatifs où on venait boire un coup, jouer aux cartes, assister à des spectacles, aller au théâtre, éventuellement faire du sport ou chanter dans une chorale. C'était aussi des espaces culturels, puisqu'il y avait des bibliothèques, des cercles de lecture, des espaces de conférences. Et c'était enfin des espaces politiques, puisque c'est là aussi que les syndicats, les partis politiques se rassemblaient et tentaient d'organiser la classe ouvrière à leur naissance. Et ce qui est intéressant, c'est que ce type d'espace, et c'est là-dessus qu'on a essayé d'insister nous dans notre recherche, et qui était un élément qui avait été peu souligné jusqu'alors, ce type d'espace a joué un rôle essentiel dans la formation et la politisation de la classe ouvrière à la fin du 19e siècle. Au fond, l'idée qu'on essaie de défendre, c'est que si les ouvriers sont devenus socialistes ou communistes à la fin du 19e siècle, c'est pas parce qu'ils avaient lu le manifeste du Parti communiste ou qu'ils avaient lu Marx, c'est parce qu'ils ont pu rencontrer des militants, échanger avec eux, tisser des liens en buvant des coups, en assistant à des spectacles. Aussi parce que le socialisme, dans ce cas-là, ça voulait dire améliorer concrètement, ici et maintenant, la vie des gens, en leur fournissant, par exemple, du pain, du charbon et des biens culturels pour pas cher, et également des caisses de secours mutuelles, et donc de prendre en charge la totalité de la vie des ouvriers dans toutes ces différentes facettes. Bref, la politisation de la classe ouvrière a été rendue possible par l'existence de ces lieux, de ces espaces intersociaux, de rencontres, où les gens venaient d'abord non pour des raisons politiques, mais pour passer du bon temps et se cultiver. Alors ce type d'espace disparaît en fait assez rapidement dès les années 20 et les années 30 pour deux raisons principales, pour des raisons économiques et politiques. Économiques, avec l'apparition des supermarchés et de la consommation de masse, qui va un peu saper les bases de ces formes coopératives d'échange et de consommation. Deuxième raison, c'est la substitution par l'État et les collectivités locales de toutes les activités qui étaient autrefois assurées par ces maisons du peuple et ces réseaux informels d'auto-organisation de la classe ouvrière par elle-même. Et donc c'est l'apparition de ce qu'on va appeler le communisme et le socialisme municipal, où tous ces biens et ces services sont désormais assurés par l'État. Alors ça a permis un certain nombre de choses, et notamment de fidéliser électoralement la classe ouvrière auprès du Parti socialiste ou du Parti communiste ensuite, mais il me semble, et j'y reviendrai dans un instant, qu'on y a perdu pas mal en chemin avec la spécialisation d'espaces sociaux qui étaient autrefois rassemblés dans des lieux communs. Pour le dire en une phrase, je crois qu'une des difficultés aujourd'hui dans les quartiers populaires, c'est précisément la disparition de tels lieux de rassemblement où des gens différents peuvent se rencontrer et s'influencer mutuellement pour éventuellement se politiser. Au fond, on peut dire, et je suis une fois de plus très schématique, qu'aujourd'hui, dans les quartiers populaires, il reste deux espaces d'agrégation et de rassemblement principaux. Les centres sociaux, qui jouent un rôle important d'animation socioculturelle dans ces quartiers, mais qui ont, à bien des égards, perdu leur dimension politique ou citoyenne, pour un certain nombre de raisons qu'on pourra discuter si ça vous intéresse. Donc les centres sociaux et les lieux de culte, qui également, pour tout un nombre de raisons également, ne jouent pas véritablement ce rôle de formation civique et politique. Si bien qu'on n'a plus vraiment d'espace d'entremêlement du social, du culturel et du politique qui avait joué ce rôle central de formation de la conscience de classe et de la politisation des classes populaires il y a un siècle. Et donc je crois qu'on manque, hein, c'est le sens de mon propos, de ce type d'espace aujourd'hui.
Plus largement, il me semble qu'on manque d'espace de rassemblement dans les quartiers populaires. Moi, je suis frappé dans les entretiens que je peux faire avec, avec les militants associatifs que je rencontre, de la difficulté qu'ils ont à organiser leurs actions au cœur de ces, au cœur de ces quartiers. Autre exemple, et j'irai également très vite ici, j'ai suivi depuis quelques années une mobilisation d'habitants dans le cadre d'un projet de rénovation urbaine, toujours à Roubaix, où les habitants se sont fédérés dans ce qu'ils ont appelé une table de quartier, qui était en fait une sorte d'espace interassociatif où il y avait le centre social, la radio du quartier, une association de locataires, une association de jeunes, etc. Qui a, d'une certaine façon, cette table de quartier, pris en charge la colère des habitants face à un projet de rénovation urbaine qui, à leurs yeux, s'imposait à eux et où ils n'avaient pas eu véritablement leur mot à dire. Et qui visait quand même assez largement à faire partir la population historique du quartier pour la remplacer au nom de l'impératif de mixité sociale. Les gens s'auto-organisent et au départ se rassemblent dans un truc qui s'appelle la maison du projet, qui est désormais obligatoire dans tous les quartiers prioritaires quand il y a un projet de rénovation urbaine. Le problème, c'est qu'assez vite, la municipalité qui est en charge de ce projet voit d'un mauvais œil cette organisation collective des habitants qui vient contrecarrer les plans qu'elle avait préparés de rénovation urbaine, si bien que la réaction qu'elle va avoir, ça va être d'expulser cette table de quartier, de cet espace de rassemblement qui était situé au cœur du quartier, qui était la maison du projet. Et là, ça n'a pas manqué, puisque la disparition de cet espace de rassemblement qui permettait en fait au collectif des habitants d'avoir des liens très directs, en fait, où un certain nombre de gens qui étaient moins mobilisés pouvaient venir toute la journée pour poser des questions sur le devenir éventuellement de leur maison, de leur logement. Est-ce qu'ils allaient devoir quitter le quartier ou pas? Est-ce que leur maison allait être rachetée? Et donc, il y avait une forme d'encastrement de la participation et de la mobilisation des habitants dans la vie quotidienne du quartier qui était permise par l'existence de ce local en son sein. Et là, très clairement, par la disparition du local, de cet espace de rassemblement qui visait principalement à penser collectivement la rénovation urbaine, mais qui de fait allait bien au-delà, puisque c'était aussi un espace où on allait regarder des matchs de foot, où on organisait des repas, ou qui servait un peu un rôle de centre social, au fond, qui avait lui-même disparu quelques années auparavant, où les petits vieux se rassemblaient aussi pour se retrouver l'après-midi. La disparition du local a conduit à la démobilisation des habitants. Tout ça pour dire que les espaces de rassemblement, les conditions matérielles de la participation, de la mobilisation et de la politisation peuvent paraître anecdotiques alors qu'ils jouent un rôle essentiel à la vie démocratique dans les quartiers populaires et au-delà, mais tout particulièrement dans les espaces où la précarité sociale est très forte, comme ces quartiers populaires. Alors vous me voyez venir, la question c'est dans quelle mesure les bibliothèques peuvent jouer ce rôle, peuvent constituer des espaces de rassemblement des habitants au-delà de leurs seules activités traditionnelles. Alors, il va de soi qu'un certain nombre d'entre elles jouent déjà ce rôle, et le sens de mon propos, c'est simplement d'encourager un mouvement qui est peut-être déjà en marche, et on va en parler dans un instant. Toujours est-il que... oui, le choix des mots est important. Toujours est-il que... il me semble qu'elles peuvent œuvrer et qu'elles se situent justement à la charnière entre les activités sociales et culturelles, mais que peut-être un élément qui semble moins central dans les activités des bibliothèques, c'est ce rôle proprement civique et politique qu'elles pourraient peut-être prendre davantage en charge dans leurs activités quotidiennes, dans cette volonté d'imbrication du politique et du social qui est à l'origine qui est un des facteurs de la crise du politique que l'on connaît, de la dépolitisation d'une bonne partie des catégories populaires. Cela suppose également, et ce sera mon dernier point, que ces équipements travaillent, et c'est probablement déjà le cas en partie, à la coproduction avec les habitants de leur programme pour répondre véritablement à leurs besoins, leurs souhaits et leurs désirs. Pour revenir à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les difficultés, le sentiment parfois que les institutions, quelles qu'elles soient,
peuvent incarner l'occupation de l'État dans les quartiers, peuvent apparaître comme des corps étrangers dans ces quartiers. Il me semble absolument indispensable, et je ne fais ici que retraduire le sentiment que je capte par mes entretiens, il me semble indispensable de travailler peut-être plus finement à l'expression et la construction des programmes de tels équipements à partir des désirs, des souhaits et des envies des habitants. Et c'est à cette seule condition que ce type d'équipement pourra constituer son rôle de médiation sociale, culturelle, mais aussi politique. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci. Sujet très riche. Je pense qu'on aura l'occasion de rebondir dessus. On va affûter nos questions. On va passer tout de suite à la troisième intervention de Valérie. Est-ce que tu souhaites être à proximité? Comment? J'appuie sur le bouton. Oui, voilà. Soit je peux le faire pour toi, soit... Avec plaisir. Voilà. Sauf que, voilà. Y a pas... Alors, c'est le PowerPoint qui est là, hein, je pense. Non, c'est celui en dessous. Ah, ouais. Oui, c'est pas tout à fait le même sujet, encore que... Quoique... Voilà, donc je suis Valérie Brujat, directrice du réseau de la lecture publique de la ville de Vaux-en-Velin. Donc je suis en poste depuis 2 ans et lorsque je suis arrivée, j'ai pris connaissance d'un diagnostic qui avait été réalisé par le bureau d'études ABCD sur le réseau de la lecture publique entre 2013-2014 et qui faisait un état des lieux d'un réseau qui captait peu de public, à peu près 12% de la population, qui avait la faiblesse de sa force, c'est-à-dire que le fait d'être en proximité, en réseau, ne résolvait pas forcément le fait, ne répondait pas forcément à une forte attractivité des bibliothèques. Des bibliothèques également qui proposaient uniquement que des livres comme au sein de leur collection. En revanche, leur force, c'était un très fort taux de présence d'enfants dans les bibliothèques, des accueils scolaires très importants, des partenariats avec la petite enfance très importants, une politique éducative très forte. Et des bibliothèques, et notamment toutes quasiment installées aussi dans des quartiers politiques de la ville. Donc 4 bibliothèques, un bibliobus, tout à 15 minutes des habitants, donc on répondait à tous les critères. En revanche, des horaires faibles, 19 heures d'ouverture pour la bibliothèque principale, alors que pour une ville de 45 000 habitants, la moyenne nationale est à 29 heures. Voilà, donc l'équipe municipale, donc en 2015, donc... a en fait décidé de lancer une nouvelle réflexion pour créer un pôle culturel et social au sein du quartier du Mas du Taureau. Donc le Mas du Taureau est situé au nord de la ville, donc la ville elle-même étant située à l'est de la métropole de Lyon. La spécificité du Mas du Taureau, c'est un quartier en phase de rénovation urbaine où effectivement il y a beaucoup de tours qui sont en train de tomber, une nouvelle ZAC de 40 hectares qui va être créée. Mais la spécificité aussi de ce quartier, donc, qui a été à l'origine hein, des politiques de la ville à la suite des violences urbaines de 1990, François Mitterrand venant à Bron et à Vaux-en-Velin pour lancer ses nouvelles politiques à la suite de ces incidents. Mais malheureusement, aujourd'hui, le quartier du Mas du Taureau n'a pas de centre social. En revanche, il a une bibliothèque qui est un des équipements municipaux très présents dans ce quartier, mais qui est dans un centre commercial qui, en 2023, va être détruit dans le cadre de la rénovation urbaine. Donc, la nouvelle municipalité qui fait aussi... Je pense qu'il faut parler aussi de l'aspect politique, puisque c'est une municipalité socialiste qui fait suite à 80 années de présence d'élus communistes dans cette commune. Donc, avec comme maire Hélène Geoffroy, qui ensuite a été secrétaire d'État à la ville, décide de créer donc un nouveau projet. Donc, l'étude est lancée. L'idée, donc on peut mettre la slide d'après, et que tout ce travail se base sur un diagnostic de territoire qui sera réalisé pendant plusieurs mois avec une participation de plusieurs acteurs du territoire et notamment en premier lieu les habitants. Là vous voyez par exemple une photo
de tables d'idées qui ont été réalisées avec... On ne savait pas si les habitants allaient venir ou pas, mais on a eu une centaine d'habitants qui sont venus, justement des gens qui n'y croyaient plus, parce que ça faisait des années qu'on les faisait participer à différents projets, mais ce jour-là, ils sont quand même venus. Et on a également sollicité de nombreux... partenaires qui sont venus des acteurs éducatifs. Et en tout cas, voilà un petit peu quelques exemples de ce que nous ont dit les habitants. On veut un lieu accueillant, avec le sourire à l'écoute, on veut être informé, on veut des horaires d'ouverture large, transmettre sans faire école, on veut des consoles de jeux avec des jeux vidéo, des pratiques proches des transports, que ce soit pratique, proche des transports. On sait qu'on nous propose dans ce lieu des cours et des ateliers, de l'apprentissage du français, du soutien scolaire, de l'informatique, des langues. On sait qu'on puisse orienter les jeunes dans cet endroit, on veut des scènes de spectacle, hip-hop, des joujoux tech, on peut aussi vouloir jouer en extérieur, des espaces numériques pour tous, des lieux de débat, d'échange autour de l'éducation, la parentalité, les nouvelles technologies, des ateliers, des aides aux démarches. Voilà. Les habitants nous ont fait part tout simplement de l'ensemble de leurs besoins sociaux, culturels, éducatifs, récréatifs dans le quartier. On a également sollicité les acteurs de la vie associative, les conseils de quartier, les associations culturelles, scolaires, éducatives, la mission locale qui est très implantée à Vaux-en-Velin, qui fait un gros travail. Également des partenaires, nous avons deux écoles nationales à Vaux-en-Velin, le NTPE, l'École nationale supérieure d'architecture. Les partenaires de la politique de la ville également étaient très, très impliqués, pilotés avec nous toute cette démarche-là. Et bien entendu, les partenaires comme l'État, la CAF et la métropole de Lyon étaient également partenaires. Sachant que la métropole de Lyon, en matière de lecture publique, comme c'est une spécificité, hein, le département et la métropole de Lyon ont fusionné sur le territoire de la métropole. La métropole à Lyon a la compétence lecture publique, mais pour les villes de moins de 12 000 habitants, donc ne sont pas forcément concernées par la ville de Vaux-en-Velin. Ensuite, en ce qui concerne l'espace prévu au sein de cette future ZAC, c'est le petit carré rose que vous voyez. La bibliothèque Pérec actuelle est située dans le... Bon, on voit, c'est marqué le centre bibliothèque Pérec en face de la tour d'escalade. Donc, elle se situe dans la ZAC du Mas du Taureau de 40 hectares qui va être reconstruite, juste derrière le centre commercial et l'ancienne place Guy Moquet. Et donc, on peut voir la photo suivante. Ce qui va se passer, c'est que l'ensemble des voies de circulation du quartier vont complètement changer. Et l'avenue Maurice Thérèse, qui contourne aujourd'hui la future parcelle, va passer en fait au sud. Normalement, le tramway va passer pas très loin. Il y aura un espace vert à proximité, de nouveaux logements, mais également la municipalité souhaite qu'il y ait également d'autres activités commerciales, le marché du Mas du Taureau, qui est un des plus grands marchés, soit déplacé également dans cette zone. Donc voilà, on va reconstruire une ville à proximité. Ensuite, ce qui a été identifié lors de ce diagnostic, c'est quels étaient les besoins, les différents types de besoins qui ont été retranscrits par les petites phrases que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, les habitants disent on veut des choses pour la famille, de l'intergénérationnel, on veut des projets participatifs, qu'il y ait des partenariats. Les horaires larges, j'en ai déjà parlé. On veut des choses dans et hors les murs, de la convivialité, de l'accompagnement, des ressources numériques, du jeu. Ils nous ont également fait part d'autres besoins. C'est à la slide suivante. Le fait que ce lieu soit pas seulement un équipement de quartier, mais aussi un équipement à rayonnement sur la ville et également pour l'agglomération. L'autre demande qui a été faite, c'est que ce lieu soit adapté aux différents usages et usagers dans leur diversité culturelle. C'est qu'à la fois, on pouvait pratiquer, on va dire, dans ce lieu, apprendre une technique, apprendre à danser, mais également aller voir un spectacle, se faire aider, partager un moment en famille, demander un conseil, se détendre, jouer entre copains, faire ses devoirs. L'idée c'est aussi que ce lieu soit un accès à permettre un accès à des savoirs variés grâce à des ressources variées, notamment numériques, grâce à des services en faveur de la formation, du développement et de l'accompagnement. Donc bon, les collections, vous les retrouvez traditionnelles d'une médiathèque, hein, livres, BD, journaux, CD, DVD, liseuses, tablettes, ordinateurs, VOD, MOD, mais également des espaces d'animation, de formation, d'auto-formation, et des espaces aussi d'échange de savoir entre les usagers. L'autre besoin à identifier, c'est que ce soit un lieu d'orientation vers d'autres ressources, un lieu de soutien aux initiatives extérieures. L'idée est que ce lieu accueille à la fois le milieu associatif, culturel et socio-éducatif, et aussi des actions participatives, et qu'il soit aussi en réseau avec d'autres équipements, qu'ils soient culturels, des services administratifs et sociaux, et également différentes communautés, des associations sportives, de loisirs, de bien-être. Voilà.
Donc, in fine, on a travaillé sur trois scénarios différents. Le premier scénario, c'était une médiathèque, une maison de quartier d'un côté. Le deuxième scénario, une médiathèque, une maison de quartier avec des espaces mutualisés. Puis le troisième projet qui allait beaucoup plus loin, c'était de dire ben, finalement, on ne fait qu'un seul lieu. Un lieu complètement qui intègre l'ensemble de ses fonctions, un lieu hybride donc, qui assume à la fois les fonctions sociales et culturelles, avec des espaces partagés pour les deux vocations, un lieu avec des horaires larges, parce que souvent on a des, vous savez, l'espace culturel il a ses horaires, puis l'espace social il a des horaires différents, c'est pratique. Et puis un lieu avec des espaces à géométrie variable, c'est-à-dire que les fréquentations des publics ou en fonction des activités, ben, c'est pas forcément aux mêmes horaires, mais on n'a pas besoin de tout ouvrir aussi pour s'il y a un spectacle ou si on est le lundi matin pour accueillir des personnes seniors ou des étudiants qui viennent travailler. L'idée, c'est qu'aussi, on travaille sur des connexions directes entre les ressources et les activités. C'est qu'on n'ait pas de dichotomie trop forte, même spatiale, entre les ressources et les activités. L'objectif, c'est que l'équipe elle soit unique, mais avec donc des collaborations de partenaires extérieurs, et qu'elle ait aussi que l'équipe soit hybride avec des profils différents, avec des profils sociaux, culturels, de lecture publique. Voilà. Et l'objectif, c'est qu'ils répondent aux besoins de la personne. Et enfin, l'enjeu est de créer un lieu qui ait une gouvernance ouverte. Je crois que j'ai un petit schéma après. Non, encore après. Il n'est pas là. Non, il n'est pas là. L'idée, c'est qu'en fait, il s'appuie sur trois axes. Le premier axe, c'est effectivement l'équipe de professionnels qui garantit le service public et l'organisation de cet espace. Mais le deuxième axe, c'est justement les partenaires, que ce soit les institutions, les partenaires sociaux, culturels, des artistes, voilà. Et puis le troisième pôle, ce sont bien sûr les habitants qui, eux, nous formulent leurs besoins, leurs projets et qui nous accompagnent aussi et puis qui parfois peuvent porter complètement des projets au sein du lieu. Donc pour permettre l'accueil de ces différentes activités, le projet et le programme a compris distinguer plusieurs univers. Donc c'est la slide d'après. Un premier univers donc, d'accueil, d'information, d'orientation classique. Un deuxième univers qui est plus un lieu pour se restaurer, échanger, porter des initiatives. Qui sera une sorte de mini-bibliothèque connectée fortement avec le premier lieu. Et ces deux lieux pourront fonctionner de manière autonome. Ensuite, on a l'univers 3 qui est le lieu de diffuser, rencontrer et pratiquer, où là on peut trouver un studio de répétition, une salle de diffusion, un espace de des espaces également de pratique autour du numérique. Et le quatrième univers, ça c'est le plus important, c'est l'univers autour d'échanger, se détendre pour l'enfance et la famille, qui comprendra à la fois deux centres de loisirs en fonction des âges 0. 3-6 et 6-12, et également un espace dédié aux 0-8 ans et à la parentalité et aux familles, avec également une petite salle de diffusion traditionnelle, mais qui pourra se transformer en garderie pour que les parents puissent aller assister, regarder leurs enfants et assister à une programmation qui leur est proposée dans le lieu. Et puis également, il est prévu qu'entre, bien entendu, le centre de loisirs hébergé dans la médiathèque Maison de Quartier, il y a une forte connexion, effectivement, avec l'espace enfance-famille. Et le cinquième univers, c'est l'espace se former, échanger des savoirs, donc à la fois des ressources dans ce domaine-là et des espaces de pratique. Et ça part du jardinage, du bricolage, et ça passe par le numérique, ça peut passer aussi par la couture, voilà. Voilà donc les cinq univers qui vont structurer ce lieu, sachant que l'enjeu pour nous, c'est de concevoir des projets qui, à chaque fois, permettent l'aller-retour constant entre la théorie et la pratique. C'est un peu l'idée de base du projet culturel. Alors voici schématiquement, donc ça c'est le schéma du programme du futur équipement qui fera à peu près 2 700 m², vous retrouvez les cinq univers qui sont représentés là. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des petits triangles, des petites flèches qui montrent que chaque univers peut être ouvert ou fermé. Donc on a un lieu qui peut être à géométrie variable. Et ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y a des espaces extérieurs tout autour de cet équipement qui sont aussi en connexion avec les univers intérieurs. Donc traditionnellement, le café, sa terrasse de café, l'espace bricolage, une aire de bricolage à l'extérieur, un espace de diffusion, un espace de représentation extérieure, un parcours sportif, des espaces de jeu extérieurs pour la partie liée à l'enfance et la jeunesse.
Ah ben voilà le schéma que je cherchais pour la gouvernance. Donc voilà, vous l'avez de manière représentative avec donc les trois axes que je vous ai présentés, les axes, les partenaires nombreux et diversifiés, les professionnels donc à l'écoute des besoins des habitants et l'instance de démocratie participative qui réunit des habitants et qui nous permettent au lieu d'adapter ses services et activités, initier des projets, travailler sur des questions d'intérêt général. Alors voilà, je vous ai mis une petite synthèse de l'organigramme, parce que souvent on se dit, mais alors comment est-ce qu'on va faire, comment on va s'organiser? Donc l'idée, c'est que nous avons un pôle ressources qui est plutôt fonctionnel, avec l'administration, Rigitechnique et les services informatiques. Et puis on a un pôle contenu et services qui lui est transversal, avec action culturelle, sociale et partenariale, puisqu'on, si on souhaite s'ouvrir, il faut qu'il y ait des référents dans le lieu qui répondent à ce besoin-là. Les pôles contenu et services adultes, ados, enfance, famille, numérique. Donc là, les centres sociaux et les bibliothèques, on a la même grille d'analyse, hein, donc c'est facile en termes de porte d'entrée. Et ensuite, l'idée, c'est que dans chaque pôle, en fait, on est des binômes avec des profils culturels et sociaux qui, dès le départ des projets, qu'on co-construise et qu'on conçoive des projets avec ces deux dimensions intégrées. Et ensuite, donc, les lieux d'accueil du public sont à la croisée de toutes ces deux dimensions. Voilà sur l'organisation. Alors, sur la poursuite du projet, donc nous en sommes aujourd'hui à la phase où donc, l'architecte du projet est en phase d'être choisi. Donc là, c'est prévu pour le conseil municipal du 22 juin. Sachant que le projet qui a été sélectionné répond très fidèlement en fait, au programme qui lui a été proposé, donc on était plutôt contents. Et puis, mais qu'est-ce qui se passe après quoi? C'était la question qu'on s'est rapidement posée. C'était bien d'avoir consulté les habitants et puis après de faire tout seul, mais ça ne nous semblait pas correspondre à l'idée de la manière dont on souhaitait développer ce projet. Et aujourd'hui, on est dans une phase où on souhaite, outre le chantier de construction, on souhaite engager, en fait, poursuivre la concertation avec les habitants sur le projet d'établissement et sur la mise en place du programme d'activité, puisqu'on a à peu près 2-3 ans devant nous avant l'ouverture du lieu. Et notre idée est de développer une démarche de design de service, c'est-à-dire une démarche où en fait on va poursuivre l'association avec les habitants, les acteurs sociaux, culturels et également les services municipaux, parce qu'il est important qu'eux également s'impliquent dans ce projet pour imaginer une co-construction, on va dire, du programme d'activité, du projet d'établissement avec eux. Et donc là, c'est par exemple la 27e région qui a imaginé un plan d'usage d'une médiathèque, de partenariat. Donc voilà, c'est un peu une illustration de ce qu'on pourrait être amené à faire. On va pouvoir travailler par exemple sur les horaires, sur les collections. Voilà, tous les champs sont ouverts, donc on va lancer cette démarche-là. La Cité du design de Saint-Étienne a accepté de nous accompagner de manière méthodologique sur ce projet. On aura un assistant, un maître d'ouvrage. Et l'idée, c'est que durant tout la phase d'étude du projet architectural, on puisse travailler dans cette démarche-là avec les habitants. Voilà. L'autre dimension aussi du projet qui est importante pour la ville de Vaux-en-Velin, qui a réfléchi sur la refondation de sa politique du culturel, c'est qu'on s'inscrive dans une dimension inclusive de la culture et notamment l'idée de réfléchir sur les droits culturels, c'est-à-dire de considérer que la culture, c'est pas seulement l'art, les beaux-arts, mais également les traditions, les institutions, l'oralité, voilà. Et l'idée, c'est également que ce lieu devienne un nouvel espace démocratique dans la ville, un lieu justement où on peut exercer sa citoyenneté, ses droits culturels, qu'on puisse accéder à des références culturelles, choisir celles qui nous conviennent et aussi les interpréter, s'y approprier, mais également un lieu où on peut s'ouvrir à d'autres cultures et s'émanciper. L'idée, c'est de repenser cette relation entre les individus et les institutions, partir des publics pour construire l'offre de services, reconnaître aussi la dignité culturelle de chacun, recréer du lien entre les personnes, essayer de favoriser le vivre ensemble aux appartenances plurielles et montrer que voilà, on peut s'émanciper de son héritage culturel tout en préservant et favorisant la diversité culturelle. Voilà, et donc un des éléments de la concertation et de la relation aux habitants, c'est aussi d'être présent dans les lieux où ils sont aujourd'hui, notamment les marchés à Vaux-en-Velin, c'est un moment important. Et là, c'est une illustration d'une restitution du programme de l'équipement aux habitants sur les marchés avec des panneaux explicatifs en disant ben, voilà ce que vous nous avez demandé pendant les réunions et voilà ce qu'on a pris en compte dans le programme de l'équipement. Voilà, merci.
Alors, il nous reste un petit temps pour les questions. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, interroger l'un de nos intervenants? Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme tout s'est enregistré et préciser à qui s'adresse votre question s'il y a un interlocuteur particulier? C'est bon. Ma question s'adressera à Madame Valérie Brujas. J'ai été très intéressée par votre présentation. Donc, je suis Anne Delessa, je m'occupe de la médiathèque de Jean Massé à Metz-Borny, donc dans un quartier prioritaire de la ville. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un projet justement de mixité sur le quartier de la Patrotte à Metz, l'Agora, qui est un projet qui mixte à la fois bibliothèque et centre social. Et l'équipe qui travaille dessus se heurte quand même à certaines difficultés d'incompréhension, je pense, réciproque, entre les métiers du livre et les métiers du social. Donc, comment y remédier? Est-ce que vous auriez une panacée, un remède miracle? Je suis preneuse pour les collègues. Merci. Oui, bien entendu, j'ai connaissance de ce projet à Metz, puisqu'on cherchait des exemples au niveau national, et c'en est un. Alors, je crois que la spécificité de Metz, c'est qu'il y a déjà un centre social existant sous forme associative, et que la difficulté, c'était de savoir est-ce que c'est un équipement municipal ou un équipement associatif. Dans l'état de mes connaissances, non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas la seule difficulté, mais en tout cas, c'en est une. Et c'est vrai que cette difficulté-là, nous, finalement, on l'a pas, dans la mesure où, en fait, comme le centre social n'existe plus à Vaux-en-Velin dans ce quartier, puisqu'il la CAF s'est arrêté le soutien, finalement, la municipalité s'est retrouvée seule, et la bibliothèque est un peu le seul interlocuteur sur le territoire aujourd'hui. Et qu'on pense peut-être justement cet aspect-là, et dit mais il y a ce besoin-là, et finalement ça nous pousse à répondre à cela et à aller chercher les acteurs sociaux, nous, ce qui facilite, je pense, le fait de penser un projet qui intègre les deux dimensions avec une équipe unique qu'on va construire petit à petit. Mais c'est vrai que c'est certainement plus difficile quand deux équipes existent et qu'il faut les fusionner, travailler sur un projet commun, ça va demander du temps, beaucoup plus de temps. Mais en même temps, moi, les bibliothécaires aujourd'hui, ils me disent mais ces gens-là, là, qui vont venir, ils seront où, comment? Ça crée aussi des inquiétudes, mais on a 2-3 ans pour y travailler, et d'ores et déjà, on a des médiateurs numériques dans les bibliothèques, on a des services civiques qui commencent à faire de l'aide aux devoirs. Là, on va intégrer une personne bientôt qui vient du secteur de l'animation. Donc, de toute façon, on va le faire, nous, de manière naturelle et progressive. Donc, moi, je compte beaucoup là-dessus. Et de toute façon, on s'aperçoit très vite qu'on est complémentaires et qu'on s'enrichit les uns les autres et qu'on fait avancer les projets. Donc, il faut aussi avoir confiance à un moment donné, il faut faire quoi ensemble. Mais il faut quand même qu'il y ait une base aussi de départ bien claire sur comment aller gouverner l'équipe. Et voilà, je crois que c'est ça. Il ne faut pas que ce soit pas clair sur qui est le chef, qui décide de quoi, quand. Voilà, ça, il faut que ce soit clair. Parce qu'après, il faut que ça marche. Vous avez un exemple dans le Pas-de-Calais, la médiathèque estaminée de Grenay, donc qui a un intitulé très médiathèque, mais qui est aussi un espace social et qui recouvre plusieurs services, où on a du personnel de PMI, d'action sociale, donc une équipe totalement hybride aussi, et où l'ensemble de l'équipe a reçu une formation de base dans le domaine qui n'était pas le sien, afin que le public, quel que soit l'agent sur lequel il tombe, puisse avoir un niveau minimum. Et ensuite, après, peut prendre rendez-vous avec les personnes adéquates pour obtenir un accompagnement beaucoup plus expert. Ça peut être un rendez-vous, une consultation, ça peut être des ateliers, des activités autour de la lecture publique, etc. Mais on a un accueil commun. Et en plus, ils ont des pompes à bière, ce qui rejoint le côté boire des coups des lieux communs que Julien Talpin a cité et qui ne s'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, au fond de la salle. Voilà. Alors bonjour, je suis Julien Sigura, directeur adjoint de la médiathèque du bassin d'Aurillac. Donc que la bibliothèque soit un enjeu important dans le développement du territoire, que ce soit en territoire urbain ou rural, c'est une chose excellente. Que les élus s'en emparent, c'est une chose parfaite. Ma question va s'adresser à qui souhaitera y répondre. Est-ce que lorsqu'on en est au niveau de projet, au sein d'un quartier, au sein d'un territoire, on anticipe sur un scénario qui pour certains sera une opportunité, peut-être pour d'autres un risque, qui est le scénario de la gentrification du territoire et donc de la possibilité de construire un équipement
pour une population qui n'aura à moyen terme plus la possibilité d'en jouir et de le faire vivre. Voilà, merci. Je peux répondre sur une partie. En ce qui concerne Vaux-en-Velin, on sait qu'on va avoir une population nouvelle qui va arriver sur le territoire, et c'est un souhait également justement qu'il y ait une mixité sociale. En revanche, il y a des bars qui sont en train de tomber, mais il y a beaucoup de logements qui restent. Et moi, je peux vous dire à la suite d'une réunion publique qu'on a fait pour restituer le programme aux habitants, un témoignage d'une dame lors de cette soirée m'a assez réjouie, puisqu'elle me disait moi, j'avais prévu de partir du quartier, mais avec ce que vous nous présentez ce soir, je crois que je vais rester. Et l'enjeu aussi pour nous, c'est justement la bibliothèque, ce lieu. L'enjeu, c'est que ce soit un lieu de rencontre, justement, entre les anciens habitants et les nouveaux habitants. Et notre rôle va être justement de les faire se rencontrer, d'avoir des projets communs entre enfants, entre adultes, entre ados, et qu'ils puissent justement constituer une communauté solidaire, qui se comprend, qui parle, qui échange, qui dialogue, voilà. Monsieur Falconet. Oui, moi, la question de la gentrification, je ne me la pose pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, moi, je parle de rééquilibrage sociologique. Je vous ai situé la sociologie de la ville. Je voudrais juste donner deux chiffres. Revenu médian sur le quartier politique de la ville à Chenauve, c'est 9 800 euros annuels. Donc si oui, d'ici à la gentrification, je pense qu'on a du travail et on a une forte marge d'intervention. Et moi, la question, je la renverse, c'est-à-dire j'ai bien entendu tout ce qui a été dit tout à l'heure sur l'intervention publique et les politiques publiques. Quand on nous dit oui, mais l'intervention publique, l'action municipale, l'action publique forte dans le quartier, très bien, mais on a mis 140 millions d'euros sur le premier programme de renouvellement urbain sur le quartier, le QPV. Demain, c'est environ 60 millions d'euros sur la deuxième phase. On va intervenir sur la bibliothèque. La bibliothèque est un projet d'équipement public au cœur de ville, intégrant la bibliothèque, alors soit en extension, soit en complément. Moi, la question que je pose toujours quand on m'interroge sur la pertinence, sur l'efficience de ces politiques publiques, c'est si on n'avait pas mené ces politiques publiques dans ces quartiers, que serait-il devenu ? Voilà. Et moi, j'ai bien la réponse, on peut ne pas la partager, mais effectivement, à partir du moment où les réseaux de sociabilité, de socialisation qui étaient dans ces communes, les réseaux de socialisation, et là je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Julien Talpin, qui étaient les réseaux de socialisation du mouvement ouvrier, hein, syndicats, la Confédération syndicale des familles, les associations de locataires, les associations de parents d'élèves aussi, ont disparu. Effectivement, aujourd'hui, ce sont les autorités publiques qui s'y sont collées, qui se sont substituées à ces réseaux. Ces réseaux de sociabilité, il faut faire attention à ce qu'ils ne soient pas remplacés par d'autres réseaux de sociabilité, avec des intentions beaucoup moins louables et beaucoup moins sympathiques que celles qui pouvaient être l'entraide et la coopération mutuelle à l'intérieur d'une même classe sociale. Donc voilà, moi je pense que c'est important qu'on continue de mener des actions publiques fortes, tout en associant, et je trouve que l'exemple de Vaux-en-Velin est un excellent exemple, tout en associant les habitants à la construction. Nous, on a le Conseil citoyen, on est effectivement dans la co-construction du PNRU2, de la politique de la ville, et je pense qu'il faut aller dans cette voie-là pour aller tranquillement vers l'autonomie des habitants et de leur permettre de reprendre la main sur leur propre espace de vie et d'existence. Julien Talpin, vous voulez commenter ? Bonjour. C'est fort. Donc, Patrick, je dirige un petit réseau en Haute-Loire, un peu perché dans les montagnes, population sur le plateau 10 000 habitants, population qui me concerne 6 000 habitants. Et depuis quelques années, depuis maintenant plus de 10 ans, 11 ans, mon prédécesseur, puis moi par la suite, on
on s'est avancé sur ces questions-là en mettant au centre de notre pratique la question de la citoyenneté et la question de l'émancipation au cœur de nos actions culturelles, en fait. En définitive, on a un équipement très classique qui est ouvert à 25h30, je le signale comme ça, et nos équipements sont tous à moins de 15 minutes sur notre territoire rural. Du coup, on a 5 équipements pour vous donner un peu une idée. Donc, j'anime une université populaire depuis 2012 qui existait, qui avait été mise en place par mon prédécesseur. Et du coup, avec cet objectif-là, de créer autant de lieux de débat hors de débats citoyens et politiques, en définitive, hein, sur des terres qui sont des terres très à droite par ailleurs, mais qui n'empêchent pas de travailler dans cette direction-là. Donc, c'était juste ce témoignage-là. Et à partir de cette université populaire, on a mis en place un projet science. Mais ce n'est pas la science qui est au cœur de ce projet, mais bien la question de la mise en débat de grandes questions sociales et scientifiques. Alors, évidemment, c'est un territoire rural et du coup, on n'a pas du tout les mêmes problématiques dans les quartiers populaires que je connais par ailleurs. Mais on a la même question sur le fond, qui est la question de la démocratie que M. Talpin a rappelé. Et c'est fondamental chez nous. La problématique, ce n'est pas les violences urbaines, mais c'est la montée du Front National avec des scores qui se situent entre 36 et 58% selon les communes, et avec une adhésion aussi chez les plus jeunes qui se développent. Les plus jeunes, je parle d'enfants qui peuvent de 8 ans, qui répètent les discours des parents, mais qui manifestent de plus en plus publiquement leur soutien à Marine, par exemple, dans l'école d'à côté. Une partie des CM2 sont sortis en criant vue Marine au moment des élections. Et donc, pour le coup, l'équipement chez nous est classique, mais la forme d'intervention, c'est justement de ne plus travailler dans l'équipement lui-même, mais d'étendre notre action, notre champ d'action à l'ensemble du territoire sur ces questions-là. Une dernière chose, ce que M. Talpin rappelait, mais ce que vous disiez aussi sur la maison du peuple, il y a beaucoup d'expériences, moi, qui m'ont marqué, notamment en Italie, les centres sociaux occupés, qui est aussi ça, c'est-à-dire de recréer autant de lieux de culture, mais sous toutes ses formes. Donc nous, on propose beaucoup d'apéros lors de nos actions. On essaye de se mélanger, de participer à la soirée choucroute, mais en y remettant du contenu plus politique, hein, en provoquant le débat. C'est pas toujours simple, hein, parce que je vous dis, les élus sont pas forcément idéologiquement en accord avec cette vision, mais comme ça fonctionne, on est suivi. Voilà, juste ce témoignage. Attends, la choucroute, c'est convivial. Hein. Quand je disais que la choucroute, c'était convivial. D'autres questions ? Oui, ben voilà, voilà. Juste pour poursuivre avec ce que disait monsieur, et puis aussi pour rebondir sur l'expérience de Vaux-en-Velin, que je trouve super, super intéressante. Et je sais bien que des expériences se mènent qui vont dans le sens de ce que j'évoquais dans mon intervention tout à l'heure. Et donc, évidemment, il ne s'agit pas de réinventer la roue, mais plutôt d'encourager ce type d'expérience. Néanmoins, moi, je crois qu'on va effectivement dans le sens du rapprochement des activités, du social et du culturel. Néanmoins, moi, je suis quand même frappé de la frilosité, pardon, avec laquelle on traite la chose publique, la chose politique, en fait. C'est-à-dire, bon, juste une petite anecdote. Alors, en plus, dans un espace très particulier, il y a quelques années, je faisais une enquête sur le rapport aux politiques et la participation dans les lycées. Et donc, je voulais passer un questionnaire auprès des lycéens pour savoir justement quelles étaient leurs opinions politiques, questionnaires qui étaient parfaitement anonymes, etc. On avait eu l'aval de la CNIL. Et il y a eu une levée de bouclier des professeurs qui trouvaient ça absolument indécent qu'on puisse parler de politique avec des lycéens. Et certains ont même brandi le principe de la laïcité pour refuser qu'on puisse parler de politique dans l'espace scolaire, sachant qu'il ne s'agissait pas de parler, parce que c'était répondre à des questionnaires par ailleurs. Et donc, on a très peur, en fait, hein, de parler de politique. Je travaille aussi pas mal sur les centres sociaux. J'ai fait une enquête avec des étudiants sur les centres sociaux dans le nord de la France. Et il se dégage, mais très massivement, que, surtout pour les gens, que ce soit les usagers ou les salariés, il ne faut pas qu'on parle de politique dans ces espaces-là, avec la crainte que ça va diviser les gens. Et moi, je pense qu'on crève de ça, en fait. C'est-à-dire qu'à force de dépolitiser les espaces, eh ben, les colères des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens, et notamment parmi les catégories populaires, elles s'expriment autrement. Et moi,
C'est encore plus vrai, je pense, pour les centres sociaux que pour les bibliothèques. Mais s'il y a des espaces, justement, entre deux qui émergent, ça peut être leur rôle également. Ça doit être des espaces où ces colères-là sont discutées collectivement pour déconstruire éventuellement les appréhensions, les craintes, les théories du complot et toutes ces choses-là. Et bon, moi, je crois qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur de parler de politique. C'est un peu le sens de mon message. Sur cette conclusion, nous allons lever la séance, poursuivre le débat en dehors de ces murs et dans notre profession. Je pense que la bibliothèque est une affaire publique et la bibliothèque un lieu de citoyenneté et de construction du politique est aussi dans les problématiques de l'ABF. Donc nous vous remercions pour votre participation, remercions les intervenants qui n'ont pas eu la tâche facile parce qu'on est dans un lieu très sonore quand même, donc c'est un peu compliqué. Voilà, nous vous souhaitons une bonne continuation de congrès. Bonjour, nous vous signalons qu'à 16h, Madame Marie Johansen, qui est une bibliothécaire suédoise, fait une conférence dans cette salle sur le rôle social des bibliothèques du réseau qu'elle dirige dans la banlieue de Stockholm. Oui, parce qu'après, il y a la question des... Si vous m'envoyez un mail, éventuellement...